Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul Shein. Alors à l'occasion de la Saint-Valentin, Shein a décidé de faire pas mal de réductions sur leur site et ça c'est plutôt cool, j'ai envie de vous dire. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une petite sélection sur leur site. Bien évidemment, je suis restée dans le thème, comme vous pouvez le voir. Et j'ai décidé cette année, si vous suivez mes vidéos, puisque je vous l'ai déjà expliqué, de faire une petite décoration de la Saint-Valentin. L'année passée, j'ai déjà commencé un petit peu timidement, mais j'avais déjà commencé. Voilà, je vous avais préparé une petite vidéo sur ce thème-là, sur ma chaîne. Si vous voulez, je vous la remets en barre d'informations. J'avais décoré un petit peu mon appartement avec ce que j'avais. Voilà, à ce moment-là, je vous avais également proposé une recette d'un gâteau, celle du Red Velvet. C'était délicieux. Bref, et j'ai tellement aimé ça. D'ailleurs, j'adore la décoration saisonnière que je me suis dit, cette année, voilà, on va racheter quelques petites pièces et on va faire une décoration un petit peu plus travaillée. Et donc, je les remercie car grâce à eux, eh bien, j'ai pu sélectionner pas mal de petites choses. Alors, j'ai pris de la décoration, mais j'ai pris également des vêtements, des textiles, comme par exemple des housses décoratifs. Bref, vous allez voir tout ça. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Je vous mettrai également les prix à l'écran. Et j'ai également un petit code promo pour vous qui s'affiche maintenant à l'écran. Alors, en plus des réductions que vous avez sur le site de Shein, vous allez pouvoir le cumuler avec le code promo. Donc, ça vous fait une réduction en plus. C'est pas du tout négligeable. Et voilà, je pense vous avoir tout dit. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. On va donc commencer tout de suite sans plus attendre. Je me suis donc décalée légèrement sur le côté afin de pouvoir vous mettre quelques images ici puisque, comme je vous ai dit, j'ai choisi également quelques vêtements, mais je suis restée dans le thème de la Saint-Valentin. Je commence donc par ce joli cardigan que je porte. Je l'adore, je le trouve très très doux, je le trouve très joli. J'adore l'association du rouge et du rose. Alors ce ne sont pas des couleurs que je porte en temps normal, puisque je suis plutôt axée sur les couleurs un petit peu plus neutres, le noir, le beige, le blanc, bref. Je reste en général dans ces tons-là, mais c'est vrai que quand je fais des décorations saisonnières ou des vidéos à thème, j'aime bien avoir des petits pulls un peu sympas comme ça. Vous avez dû le remarquer dans mes vidéos par exemple de Noël, où je porte souvent des pulls un peu plus colorés ou mes décorations d'automne, bref. Du coup, voilà, cette année j'ai choisi celui-ci. D'ailleurs, vous en avez vraiment, vraiment plein sur le site de Shein. Moi, j'ai craqué pour ce genre de couleur cette année, puisque l'année passée, j'avais également choisi quelques vêtements, mais j'étais restée encore une fois dans les couleurs un petit peu plus neutres, comme les pulls blancs, les chemises blanches, et toujours avec des petits cœurs rouges. Bref, des petites choses un petit peu plus discrètes. Cette année, je me suis dit, non, allez, hop, level up, on va essayer de prendre autre chose. Je sors un petit peu de ma zone de confort, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Donc, comme je vous ai dit, c'est un petit cardigan. Alors, ce n'est absolument pas un cardigan de grossesse. C'est dans la collection normale, j'ai envie de dire ça comme ça. J'ai juste pris une taille au-dessus pour pouvoir le mettre cette année. Et l'année prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout simplement dans mon jeans. Voilà, et je vais avoir ce petit effet loose que j'aime beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, il est super doux. J'adore parce qu'au niveau des manches, vous voyez, il tombe bien, parfaitement. Vous avez ce côté qui est un petit peu plus resserré et vous avez alors les petits boutons sur l'avant. Voilà, il est très très simple, entre guillemets très simple et très coloré à la fois, mais je veux dire, ça reste un cardigan normal. J'ai ensuite craqué pour un deuxième cardigan un tout petit peu plus long que celui-ci, mais que j'adore. Je sais pas. J'aime trop, j'ai adoré ce genre de couleurs comme ça, le rose et le rouge, je sais pas pourquoi mais j'ai adoré cette année. Et celui-ci n'a pas de bouton, donc il se présente comme ça, tout simple, mais j'adore, je sais pas, je trouve que la qualité est folle, vraiment pas du tout transparent, super bien fait. Et je l'ai pris celui-ci, alors je vais regarder la taille, il me semble que c'est une taille unique mais je suis plus très sûre. C'est un S, je l'ai pris en 36. Juste, je l'ai pris en 36 parce que justement, il n'avait pas de petits boutons. Donc, je savais que j'allais pouvoir le laisser ouvert. J'adore, je le trouve vraiment trop joli. Il est vraiment tout simple, entre guillemets. Mais vous avez toujours ces petits motifs cœur que j'aime beaucoup. Encore une fois, la matière est très très douce. Super bien fini. Il n'y a aucun fil qui dépasse. Rien du tout. C'est génial. Je l'aime beaucoup. Vraiment, ça c'est vraiment un petit coup de cœur de ma sélection. Je sais pas, les couleurs j'aime bien,
Je suis un peu dans ce mood de rose et rouge, j'aime beaucoup. L'année passée, je me suis commandé un joli pyjama en soie blanc avec des petits cœurs rouges. Je le trouvais mais magnifique. D'ailleurs, je l'ai toujours. Il est toujours là, je l'aime beaucoup, sauf que malheureusement, vous vous en doutez, je ne rentre plus dedans à l'heure actuelle. C'est pas grave, hein. On le laissera pour après. Du coup, je me suis dit, allez, je vais en choisir un, mais je l'ai pris dans la catégorie grossesse cette fois-ci. Et j'ai pris des couleurs que je n'avais pas, donc j'ai pris ici un joli pyjama que j'aime beaucoup d'ailleurs. En plus, la matière, je sais pas, je trouve ça super doux. En gros, il est en bleu marine comme ça. Et vous avez les petits cœurs roses. Sur le devant, vous avez ce petit liseré. Et il a donc des petits boutons. Vous n'avez pas de poche dans celui-ci. Par contre, dans celui que j'avais pris l'année passée, on avait deux petites poches à l'avant. C'était vraiment très très joli. Je pense l'avoir pris en L. Voilà, d'habitude je fais du médium, mais j'ai pris en L pour être vraiment vraiment à l'aise. C'est ça, j'ai pris du L. Comme je vous l'ai dit, j'adore la matière, je trouve ça très très agréable. Et je peux vous dire que je l'ai déjà essayé et franchement, j'ai rien à dire. Il tombe super bien. Il est très agréable encore une fois, mais ça c'est vraiment le mot d'ordre pour ma sélection vraiment de vêtements. Parce que j'ai besoin vraiment de ce côté où je me sens à l'aise et que ce soit doux sur ma peau. J'aime pas, je sais pas, j'aime pas ne pas me sentir à l'aise. Et vous avez ensuite le bas qui se présente comme ceci. Et sur le bas du pantalon, vous avez toujours ce fameux petit liseré. Et alors, comme je l'ai pris dans la catégorie maternité, vous avez toujours le petit élastique ici pour pouvoir le resserrer si jamais c'est trop grand. Voilà, donc je n'ai rien à dire dessus. Très très bel article, très contente de la matière, de la qualité. Le motif est très joli. C'est un motif assez simple finalement. Et vous pouvez le mettre même en dehors de la période de Saint-Valentin. Voilà, moi j'ai voulu rester dans le thème, mais je le trouve vraiment très beau. Et même pour la maternité, je pense qu'il fera l'affaire. Restons dans le côté maternité. Je me suis pris un petit ensemble pour être à la maison. Encore une fois, je suis dans ce côté d'être vraiment, vraiment bien dans mes vêtements. Je sais pas, j'ai besoin d'être à l'aise. Donc j'ai pris un joli ensemble comme ça, en maille blanc. Il est incroyable, donc c'est un petit gilet blanc comme ça avec de jolis petits boutons à l'avant. Il tombe donc en V comme vous pouvez le voir. Il a deux poches sur le devant, j'adore, je le trouve vraiment super classe, vraiment très très joli. La matière encore une fois légèrement transparente, mais honnêtement ce n'est absolument pas un problème. Vous avez le gilet qui tombe bien bas au niveau des fesses, aucun souci avec la transparence. Et vous avez les manches qui, elles, sont bien longues. Alors, elles sont bien larges aussi. Donc, ça, c'est vraiment bien. J'ai pris une taille médium puisqu'en fait, en lisant les commentaires, je me suis rendu compte que c'était un ensemble qui était un peu oversized. Donc, je me suis dit que ça devrait aller. Surtout que j'ai pensé également au postpartum. Et je me suis dit que c'était un petit ensemble assez joli à remettre par la suite. Puisque vous savez que quand on, voilà, on revient de la maternité ou quand on accouche, on se sent pas folichonne, hein. C'est pas vraiment notre meilleur moment, j'ai envie de dire. Et c'est important de pouvoir porter des vêtements dans lesquels on se sent bien et qui sont jolis. Donc voilà, moi j'ai choisi ce petit ensemble pour mettre maintenant, mais pour mettre également par la suite. Vous avez ensuite le petit pantalon qui est ultra élastique, mais vous avez toujours ce petit système-ci. Si jamais c'est trop grand ou voilà, vous allez pouvoir resserrer. Et donc en dessous, c'est un pantalon qui est assez large. Moi j'adore ce genre de pantalon vraiment. Et j'ai plusieurs ensembles comme ça de chez Shein en maille. Je peux vous dire qu'ils n'ont jamais bougé. La seule chose c'est que malheureusement cette année je ne peux pas les mettre puisqu'ils sont devenus trop petits. Je fais aussi très très attention aux étiquettes avec donc les degrés de lavage. C'est super important. Si vous lavez trop fort, bien évidemment vous allez l'abîmer. Voilà, donc ici c'est un ensemble qui doit être lavé à 30, mais clairement c'est exactement ce que je fais et je n'ai jamais eu de problème.
On continue donc dans le textile, mais cette fois-ci avec tout ce qui est décoration d'intérieur. Donc ça y est, j'en ai fini avec les vêtements. J'ai sélectionné sur le site deux housses, deux coussins comme ça. Alors elles sont identiques, j'en ai pris deux tout simplement. C'est pour mettre sur mon fauteuil. Je les trouve mais trop jolies, je vais vous les montrer de plus près. Donc ce sont des petites housses en effet velours. Et alors les cœurs sont en fausse fourrure. Mais ce que j'adore, c'est que tout autour du cœur, vous avez cet effet brodé que je trouve super qualitatif. Vous pouvez les laver, bien évidemment. Et j'adore, j'adore. Je suis trop, trop fan. Alors de base, je n'ai pas eu de coup de cœur pour celle-ci. Mais pour d'autres qui sont toujours, toujours en rupture de stock. Voilà, elles sont victimes de leur succès. Elles sont vraiment très, très jolies. Mais voilà, je vais essayer de les avoir ces jours. Mais bref, en attendant, j'ai pris celle-ci que j'adore. Franchement, je la trouve tout aussi jolie. Il y a juste les autres, elles avaient ce mélange de couleurs que j'aime beaucoup. Elles étaient rouges, roses et il y avait du blanc dedans. C'est vrai que c'est autre chose au niveau du canapé. Je trouvais que ça ressortait mieux. Mais j'ai opté pour celle-ci qui me plaisent tout autant. J'ai envie de dire, je les trouve très très jolies. Donc comme je vous ai dit, j'en ai pris deux. J'ai également flashé sur une autre housse décorative. Je sais pas, je la trouvais trop trop mignonne. C'est celle-ci, encore une fois, elle a un effet velours. Et alors sur le devant, vous avez les petits motifs en effet bouclette comme ça. J'adore, je trouve ça super joli. Vous avez également à chaque extrémité les petits pompons comme ça. Vraiment trop belle. Voilà, j'ai adoré celle-ci, j'en ai pris qu'une. À voir encore où je vais la mettre, mais de toute façon, vous verrez tout en vidéo. Pour une décoration de table, j'ai trouvé sur Shein de magnifiques chemins de table qui sont juste mais magnifiques. J'adore ce genre de chemin de table. Je trouve que ça change, je sais pas. C'est super esthétique. D'ailleurs, si vous allez sur Pinterest, vous pouvez retrouver pas mal d'inspirations déco avec ce genre de petit chemin de table. Donc pour vous le montrer de plus près, il se présente comme ça, c'est un espèce de vieux rose. J'adore. Il me semble que le chemin de table doit faire au moins 3 mètres, puisque là il est tout tout plié, il est très très joli. J'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir vous faire une jolie décoration de table, parce que dans mes plans, j'espère pouvoir avoir le temps de vous faire comme l'année passée, une décoration de table pour la Saint-Valentin. J'adore ça, j'adore ça la déco, et je me suis dit bah, pourquoi pas, et j'ai une petite idée en tête, mais bon je dois encore la peaufiner, donc voilà. J'ai choisi celui-ci en vieux rose, je trouvais qu'il était magnifique. En plus vous pouvez le réutiliser pour pas mal d'autres décos, c'est vraiment super. Et comme je vous l'ai dit, je pense honnêtement qu'il doit faire bien 3 mètres. Mais de toute façon vous aurez la taille à l'écran. J'ai ensuite craqué pour un magnifique plaid. Alors ce plaid, comment vous dire qu'à chaque fois que je vais dans la section décoration de chez Shein, il m'est proposé. À chaque fois je me dis plus tard, plus tard, plus tard. Et cette fois-ci, j'ai craqué. Je l'ai pris. Il est super lourd. Il a l'air d'être incroyable. Je ne l'ai pas encore déballé. Je vais le faire avec vous pour vous le montrer. Vous le verrez mieux, bien évidemment, dans ma vidéo décoration. Donc, j'espère que vous allez rester connectés. Ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Mais en tout cas, il est super doux. Il est très, très agréable. Je vais essayer de le déballer et de vous le montrer. Alors, bien évidemment, ce sera pas évident comme ça à l'écran, mais je vais essayer. Je vais essayer. Donc en gros, il est super grand. Hop, il est vraiment immense. Bref, mais j'ai adoré, la couleur est juste splendide. Et honnêtement, ce genre de plaid, je pense que vous les avez déjà vu passer maintes et maintes fois, que ce soit dans des vidéos YouTube, sur Pinterest, bref. Donc sur l'avant, c'est comme ça, vous avez un espèce de petit relief. Je pense qu'à la caméra, on le voit bien. On a des espèces de petites vagues, des petits nuages comme ça que je trouve très très jolis. Et de l'autre côté, vous avez un effet un petit peu plus polaire. J'adore, je le trouve mais splendide. Ah, peut-être qu'ici j'aurai les tailles. C'est un 160 sur 200. Mais qu'est-ce qu'on va être bien là-dedans. Il a l'air juste splendide. Même à mettre en jeté de lit, je trouve ça vraiment magnifique. Bref, vous l'aurez compris. Encore un coup de cœur, mais il est vraiment super. Super beau, très qualitatif et super épais. Donc franchement, foncez si jamais vous recherchez un beau plaid. On passe ensuite à la vaisselle. Et cette fois-ci, je vous promets, je n'ai pas pris de mug. J'ai pris son cousin. J'ai pris un bol.
Voilà, j'ai craqué pour un petit bol que je trouvais beaucoup trop mignon. Alors, je vous montre encore une fois comment arrive la vaisselle de chez Shein. Impossible qu'il y ait d'acasse, vraiment. Tout arrive super bien emballé. Je vais le retirer de la boîte et je vous le montre. Le bol se présente comme ceci. Il n'est pas très grand, mais il fera l'affaire. Je le trouve très joli. Il est un peu en blanc cassé beige. Et alors, vous avez par-dessus des petits motifs cœur en rose foncé et en rose clair. Comme ça, je le trouvais très très sympa pour mettre des petits raisins ou des petites gourmandises devant la télé. Je trouvais ça assez sympa. Alors, vous aviez dans cette collection-ci les mugs, les grandes assiettes, vous aviez les saladiers. Bref, un tas de choix vraiment. Et je sais pas, je l'aime beaucoup. J'adore, je trouve ça trop trop mimi. Vous saviez que la dernière fois, j'avais pris également une tasse sur le site de Shein dans voilà, la catégorie aussi de la Saint-Valentin. Vraiment, Shein fait énormément de choses pour tout ce qui est décoration saisonnière. Foncez, si jamais vous êtes comme moi et que vous aimez ça, vous allez pouvoir trouver pas mal de petites choses assez sympas. J'ai ensuite trouvé cette jolie décoration. Alors, je pense que de base, c'est un style de couronne de porte. Mais personnellement, je ne vais pas du tout la mettre sur la porte d'entrée. Je vais plutôt la mettre sur l'armoire de la cuisine, je pense. Alors, j'ai adoré parce que déjà, c'était les coloris que je voulais pour ma décoration, donc rose, rouge, vous avez un petit peu de blanc, vous avez ce joli nœud à carreaux que j'ai adoré, et ensuite vous avez le rappel, voilà, une petite verdure, j'adore, avec de l'eucalyptus, bref, c'est vraiment très très joli. Pour agrémenter ma décoration, j'ai trouvé ce lot de 3 jolis cœurs, comme ça. Alors, ils sont très jolis, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce rose-là, il est un peu flashy-flashos. Soit je vais le garder comme ça, soit je vais le custom en le peignant d'une autre couleur. Je ne sais pas encore, je vais voir si je le repeins ou pas, mais en tout cas, voilà, je vous montrerai tout en vidéo. C'est vraiment très joli parce qu'en fait, c'est le genre de décoration qui tient à plat sur un meuble. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc vous avez un grand comme ça. Vous avez également un moyen comme ceci. Et vraiment trop trop mignon. Et c'est du vrai bois, c'est vraiment super joli. Et vous avez le tout petit comme ça. Voilà, ensuite c'est un peu à vous de voir comment vous allez mettre votre petite décoration. Donc comme je vous ai dit, soit je le garde comme ça, c'est vrai qu'à l'écran il paraît beaucoup plus clair, mais en vrai il est assez flashy, donc je vais voir, soit je vais essayer d'éclaircir un petit peu, soit je vais complètement le custom, vous verrez tout ça en vidéo de toute façon. J'ai également choisi cette petite guirlande. Alors encore une fois, l'écran, elle est magnifique, le rose clair comme ça, et d'ailleurs je pensais qu'elle serait rose clair, mais en vrai c'est un rose assez flashy. Alors, je la trouve très jolie quand même, et d'ailleurs je la trouve encore plus belle quand elle est allumée. J'ai mis des piles pour vous montrer un petit peu, donc je vais la sortir de là. Hop, et en fait vous avez donc la fameuse guirlande avec, hop, je vais essayer de pas l'abîmer parce que ce serait dommage, bref, elle est assez... Elle est attachée, il me semble, ici. Oui, elle est attachée et j'arrive pas à trouver le bout. Bref, je vais quand même vous la montrer. Donc, elle se présente comme ça. Vous avez tous des petits pompons comme ça, rose. Et vous avez ensuite des petites LED comme ça, en forme de boule. J'adore. Vous avez ici le petit boîtier à piles. Je vais donc l'allumer pour vous montrer ce que ça donne. J'adore, je trouve ça trop, trop joli. Je la trouve encore plus belle, d'ailleurs, quand elle est allumée. Et à mon avis, je peux en faire quelque chose dans ma petite déco parce que j'adore ce côté un peu cosy, cocooning le soir devant la télé. Donc voilà, je la trouvais assez sympa. Et d'ailleurs, même si vous avez envie de la détourner, hein, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans une décoration de Saint-Valentin, mais vous pouvez la mettre très bien dans une chambre d'enfant. Moi, je trouve ça assez mignon. J'ai ensuite trouvé sur le site de Shein un joli petit plateau que je voyais dans toutes les inspirations de Pinterest et je suis trop contente puisqu'il est ici, je vous le montre. C'est un petit plateau nuage comme ça que je trouve mais trop trop joli, vraiment adorable. Je vais pouvoir le mettre sur mon petit bureau avec une bougie, bref, de toute façon vous pouvez le détourner à l'infini, vous pouvez très bien le mettre sur une table de chevet et déposer vos bijoux le soir quand vous allez dormir, bref, vous pouvez l'utiliser comme vide-poche, c'est vraiment trop trop mignon.
Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à présent à sa fin. J'espère que ce petit haul vous aura plu. N'oubliez pas, tous les liens des articles se trouvent en barre d'informations. Je vous remets également le petit code promo maintenant à l'écran. Vous avez le lien direct du site en barre d'informations. Vous pouvez toujours passer par là si ça vous intéresse. Moi, en attendant, comme d'habitude, comme après chaque haul, je vais ranger tout ça parce que c'est vraiment, vraiment le bazar autour de moi. En attendant, eh bien, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.